Okay, so good morning. I think we'll get started. Bonjour tout le monde. Je suis Cléona McGann. Je suis la directrice de la Chambre de commerce franco-irlandaise. Nous sommes très ravis de vous rencontrer aujourd'hui pour cet atelier. Le marché irlandais, les opportunités après le Brexit, et focus sur le secteur de l'énergie et de l'environnement. Le 1er janvier, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et maintenant, France est notre voisin le plus proche dans l'Europe européenne. L'impact du Brexit sur le marché irlandais est énorme et difficile. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait. Néanmoins, nous trouvons aussi des possibilités pour nous diversifier et ce vers d'autres voisins dans l'Union européenne, et en particulier avec la France. Pour commencer l'atelier aujourd'hui sur l'Irlande, je voudrais présenter Owen Scott. Owen est secrétaire et trésorier de la Chambre et aussi membre de l'executive team. Et merci beaucoup, Owen, pour être avec nous aujourd'hui. Et je sais que vous allez introduire aussi les représentants de Airgrid, Schneider Electric et RTE après l'introduction. Donc, Owen, merci beaucoup and as I say, over to you. Merci beaucoup, Cléona. Je vais partager mon écran. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre atelier sur le marché Irlande, les opportunités après le Brexit. J'ai le plaisir d'être avec nous un petit panel des représentants du Schneider Electric, Alexandre Golisano, qui est le directeur stratégie et marketing du System Power Division. On a Michel et Walsh, Airgrid, les liaisons pour la communauté, et aussi Thomas Pertuiset, qui est de l'RTE, le réseau d'énergie en France. Je vais commencer peut-être juste pour mettre la scène d'Irlande. L'Irlande est bien connue des Français qui sont plus d'une demi-million à s'y rendre chaque année, attirés par son patrimoine des paysages, du Connemara, sa culture, ses pubs et sa chaleur humaine. C'est aussi un pays de plein mutations qui, après avoir subi de plein fouet la crise économique et financière des années 2008 à 2012, connaît l'une des plus fortes croissances économiques de l'Europe. L'Irlande a un pouvoir d'achat élevé. On constate croissance démographique francophile et plein d'opportunités pour vos entreprises. Des centaines d'entre vous ont déjà choisi l'Irlande pour le développement de votre activité à l'international. Mais avec les incertitudes liées au Brexit, l'Irlande se tourne de plus en plus vers le continent pour ses exportations comme pour des importations. Et la France, par sa position géographique, notre voisin le plus proche, est en première ligne, une chance à saisir. Et juste peut-être pourquoi l'Irlande, la plus forte croissance d'Irlande, l'économie irlandaise pourrait rester en croissance positive en 2020. Il est prévu à ce moment d'avoir une croissance de 3,4%. Et en plus, il estime que la croissance pour cette année 2021, c'était 3,8%. Et en 2022, c'est probablement 4,6%. Comme ça, c'était une bonne histoire, malgré le problème d'épidémie. Comme j'ai dit, il y a probablement déjà 30 000 Français ici et près de 400 entreprises françaises implantées en Irlande.
Le commerce bilatéral France-Irlande, il y a près de il y a près de entre près de 500 entreprises irlandaises maintenant, 20 et 20 000 emplois. Et la France était en 2018 le cinquième investisseur européen en Irlande. C'est vraiment une bonne histoire entre notre deux pays. Hein. Les avantages du marché irlandais, les avantages d'Irlande dans un environnement post-Brexit, son anglophonie, c'est accès du marché américain, accès au marché unique européen, sa compétitivité, le corporate tax qui était bien 12,5%. En population jeune et internationale, il y a 33% de notre population qui a moins de 35 ans. Et notre climat ici des affaires sont stables et paisibles pour les investissements. Il y a plusieurs acteurs internationaux qui sont ici et de plus en plus après le Brexit, il y a des sociétés qui sont basées maintenant en Irlande, qui ont changé leur situation dans le Royaume-Uni avant. Hein. Et les faiblesses du marché irlandais, oui, on a des faiblesses, une grande dépendance vis-à-vis des investissements étrangers, des multinationals, une économie un peu diversifiée, mais comme diversifiée, mais une grande opportunité pour les sociétés françaises et internationales. Concurrence du Royaume-Uni, c'est vrai que pour le moment, le Royaume-Uni reste notre fournisseur le plus grand, avec, si je ne me trompe pas, c'était 24% de notre importation, mais il y a toujours une possibilité d'avoir un bon succès avec des sociétés françaises. Il y a les liens qui étaient bien renforcés, les liens maritimes entre la France et l'Irlande direct, qui évitaient de passer par le Royaume-Uni, qui était avant la situation le plus grand pour nous. Et, répercussions du Brexit, c'est vrai, fort enjeu sur l'économie irlandaise, des possibilités très grandes. Slogan France, your closest EU neighbor, c'était quelque chose que le Team France Export, qui sont bien implantés ici avec tous les acteurs, on utilise ce slogan parce que c'est vrai que maintenant, c'était la France qui était le plus proche pour nous. Quand j'ai dit le maritime direct, on a maintenant plusieurs qui incluent Dunkerque, qui incluent Roscoff, plusieurs possibilités. Et on a un zoom aujourd'hui sur la situation d'énergie, avec le plaisir d'avoir Schneider et aussi Ergrid et RTE avec nous, mais un grand projet, le Celtic Interconnector. On explique un peu plus dans quelques minutes. Les bonnes pratiques en Irlande, ne pas confondre République d'Irlande et Irlande du Nord, hein, c'est séparé. À ce moment, en Irlande du Nord, ils partagent un peu l'opportunité d'être une partie du Royaume-Uni, mais aussi d'être une partie de la communauté européenne. C'est une bonne idée de disposer d'un site internet et des brochures en anglais, hein, malgré le système d'éducation qui essayait de préférencier le français. Pour le moment, beaucoup des Irlandais ne parlent que anglais. Savoir pitcher, être clair, assurer un suivi immédiat des contacts pris, travailler dans la durée, venir tenir des engagements, avoir l'esprit, l'objectif de profit à court terme des Irlandais, l'importance d'une présence physique en Irlande. Et c'est quelque chose qui peut être assisté par la France Ireland Chamber of Commerce. L'importance d'une réseau et flexibilité et non formalisée des relations affaires.
l'utilisation des prénoms. Si on peut prononcer les prénoms, parce que c'est un peu difficile avec quelques prénoms irlandais, mais nous sommes ici pour vous assister si nécessaire. La Chambre de commerce franco-irlandais en Irlande, juste quelques chiffres, et merci à Cliona pour la possibilité de parler. Je sais qu'avec Léa, vous faites un très bon job pour assister les entreprises françaises en Irlande. Nous avons dans la Chambre de commerce 160 entreprises membres, 25 événements par an au moins, plus maintenant avec les événements virtuels. Mm-hmm. Et on a 1000 participants. Hein. Comme on a dit là il y a plusieurs choses, working groups, il y a des événements, il y a les social media qui est bien fait par la Chambre de commerce. L'écosystème franco-irlandais en Irlande, c'est vrai, j'ai parlé du le Team France Export, vous avez Business France bien implanté ici, vous avez l'ambassade et toutes les choses de l'ambassade, le service économique, le French Tech qui était très, très bien ici, qui est bien géré avec les événements souvent. Vous avez les conseillers de commerce extérieur de la France, et moi je suis un conseiller, et vous avez plusieurs ici dans l'activité française. Et la Chambre de commerce franco-irlandais qui participe aussi dans le CCE. Vous avez le France Alumni, MEDEF qui vient de visiter souvent, et l'Alliance française qui est ici. Et en plus, important pour les gens qui sont implantés ici, vous avez le French School ici qui était très performant aussi. En France, aussi, l'Irlande était bien représentée par l'ambassade d'Irlande en France, l'entreprise Ireland, la IDA Ireland et le Network Irlande, qui est notre chambre sœur en France, qui gère bien les Irlandais en France et qui partage avec les Français. Juste pour vous dire aussi, plusieurs grandes sociétés françaises qui étaient en partie de la Chambre de commerce franco-irlandais et qui assistent les autres les sociétés françaises qui arrivent en Irlande. On a Alstom, Amundi, BNP Paribas, JC Deco, Schneider, Transition Optical, les Fret, le Renault, Sodexo, Sanofi, Transdev, Veolia. Bernard Ricard, Claudia Cole, il y a plusieurs qui sont ici déjà, et les opportunités pour augmenter les affaires sont bien là. Le service proposé par la Chambre de commerce franco-irlandais, animation de la communauté d'affaires franco-irlandais, l'hébergement et accompagnement de VIE, un service bien connu en Irlande maintenant, de plus en plus bien connu, service d'aide et d'accompagnement à l'implantation de sociétés en Irlande, organisation de learning expeditions, service de communication et autres services en partenariat avec nos 160 membres, comptabilité, gestion de ressources humaines, recrutement et tout ça. Mais le but aujourd'hui, c'était bien aussi peut-être pour dire le dernier rapport de l'ambassade, mettre ceux qui sont dit sur le Brexit. Malgré l'accord adopté par l'Union européenne et la Royaume-Uni sur leurs relations post-Brexit, une enquête de Chartered Accountants Ireland en Irlande signale que plus de la moitié des entreprises irlandaises rencontrent des perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement, en raison notamment des nouvelles formalités douanières aux frontières. Un tiers des entreprises interrogées auront aussi arrêté d'exporter de marchandises via le Royaume-Uni. Il y existe les opportunités et vous êtes la bienvenue de discuter avec nous les possibilités de faire du business entre Irlande et France. Et merci. Et peut-être maintenant, je vais maintenant introduire le premier de notre participant dans le Zoom Energy qu'on fait maintenant. Alexandre, vous avez rejoint le Schneider Electric en mai 2013 en tant que Global Product Manager pour le Business Unit Industry. Au cours de 6 dernières années, vous avez travaillé à Singapour et à Dubaï. Vous êtes aujourd'hui directeur de la stratégie pour la division Power Systems au Royaume-Uni. Et en Irlande.
Est-ce que vous voulez, vous pouvez introduire vos slides et, Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. J'espère avoir bien prononcé votre prénom. C'était dans vos slides juste avant. Alors, une seconde. Alors, bonjour, je m'appelle Alexandre Golisano. J'ai 33 ans et je suis basé aujourd'hui à Londres, mais je couvre le secteur medium voltage, moyenne tension de l'entreprise Schneider Electric sur la zone UK et Irlande. Juste un petit rappel, Schneider Electric ne fait pas d'ascenseur. On est vraiment sur le domaine de l'efficacité énergétique et du développement durable. Et je vais faire une présentation courte, mais dans un premier temps, juste rappeler ce que fait Schneider Electric en termes de métier. Ensuite, je vais basculer sur notre présence en Irlande, parce que c'est un point justement qu'a relevé Aeon, où la présence dans le pays est importante pour faire du business. Et finalement, je vais expliquer les opportunités que nous, on détecte aujourd'hui avec le Brexit, mais en général aussi avec la poussée vers une transition énergétique pour faire grandir nos business sur place en Irlande. Alors, le premier point que je voulais mentionner, c'est la partie sustainability ou développement durable. Schneider Electric a été reconnue comme l'entreprise la plus green au monde dans sa catégorie, suivant plusieurs critères. Et en fait, ça vient surtout des engagements que notre CEO et notre société a pris sur les dernières années, d'être neutre en termes de carbone en 2025, d'atteindre zéro émission opérationnelle de carbone en 2030, et finalement de forcer et de travailler en collaboration avec toute notre chaîne logistique, que ce soit nos partenaires ou nos suppliers, pour atteindre cette vision net zéro, pas seulement pour nous, mais sur toute la chaîne de nos partenaires. Donc ça, c'est un point important parce que toutes nos décisions business aujourd'hui sont drivées par cette ambition en termes de sustainability ou développement durable pour le groupe et pour être un acteur de la transition énergétique dans le monde. Ensuite, en termes de business adressé par Schneider Electric, on est un groupe du CAC 40, 25 milliards. On travaille aujourd'hui sur la transformation digitale de la gestion de l'énergie et des automatismes en général pour avoir un impact sur le développement durable et sur l'efficacité énergétique de tous nos partenaires. Aujourd'hui, nous, on ne travaille pas forcément sur la partie purement génération, c'est pas notre domaine d'activité principale. On est très peu sur le domaine de la transmission. Par contre, on a décidé il y a quelques années de pivoter et d'axer tous nos produits, nos solutions et nos services sur la partie distribution et sur la partie demande consommateur, parce qu'on sentait qu'il y avait une demande électrique qui augmentait, qu'il y avait un besoin et un boom de toutes les solutions digitales, que tous les pays, en fait, suivant le Paris Agreement et les différents COP qu'on peut avoir chaque année, avoir cette vision de décarbonisation du domaine de l'énergie. Et enfin, c'est surtout sur la partie décentralisation, c'est-à-dire de pousser tous les consommateurs à devenir des prosumers qui produisent de l'énergie et qui consomment de l'énergie. Et un mot fort pour Schneider, et ça c'était l'ambition du groupe, c'est d'être multilocal, c'est-à-dire on n'a jamais été vraiment en mode mondialisation et de tout délocaliser dans certains pays d'Asie par exemple. On a toujours gardé des opérations fortes dans chaque pays ou dans chaque petite région, parce qu'on voulait être proche des marchés et qu'on voulait suivre l'évolution des marchés. Et ça a été un choix fort il y a quelques années, qui est payant aujourd'hui, parce qu'avec des fragmentations politiques, comme peuvent l'être le Brexit, ou des Covid, des pénuries qui arrivent de plus en plus, en fait, c'était important pour nous de faire ce choix il y a quelques années, et aujourd'hui, tout ce qui arrive dans le monde valorise en fait les choix stratégiques qu'ont pris l'entreprise. En termes de présence en Irlande, on est dans le pays depuis 1971, on a grandi par acquisition, donc on a eu plusieurs sites, on est installé sur trois sites principaux, Galway, Dublin et Cork. À Galway, on a aussi également une zone globale, c'est-à-dire que notre équipe data center a décidé d'installer une grande partie des effectifs globaux à Galway. Et ce qui est important de dire, c'était dans la slide d'Eon, c'est que cette présence dans le pays est importante. Et nous, sur les dernières années, aujourd'hui, on a 400 employés. On a participé à la croissance du pays et on a surfé sur cette vague, surtout la vague des centres de données, des data centers. Et en fait, sur les 5-10 dernières années, le nombre d'employés a fortement augmenté et va continuer d'augmenter dans les prochaines années.
Donc, c'est un pays clé pour nous et on continue d'investir pour profiter justement de ces opportunités d'investissement. Maintenant, quelles sont les opportunités d'investissement pour des sociétés dans le domaine de l'énergie comme la nôtre ou nos compétiteurs, par exemple? Ce qui est important de savoir, il y a deux parties dans cette équation. Il y a dans un domaine, on va dire, l'augmentation de la demande électrique. Et entre 2020 aujourd'hui et 2040, aujourd'hui, je présente des graphes qui proviennent d'Air Grid, qui fait chaque année une simulation des scénarios justement pour atteindre cette vision net zéro en 2040. Et ça, c'était le dernier rapport de 2020. Et ce qui est important de voir, c'est que la demande électrique va exploser sur les 20 prochaines années. Ici, j'ai pris le scénario le plus optimiste parce que forcément, on doit avoir cette vision de baisser la température à l'horizon 2100. Donc, j'ai préféré montrer, il y a trois scénarios dans leurs études, mais j'ai préféré garder la partie optimiste. On est sur une vision à plus 60% de demande électrique portée dans les 10 prochaines années par les grands sites, que peuvent être les centres de données, les data centers, les centres pharmaceutiques ou l'électrification des ports, par exemple. Et ensuite, dans un deuxième temps, entre 2030 et 2040, on va avoir une électrification du domaine du transport, par exemple l'e-mobility avec les voitures électriques et surtout avec les réseaux de chauffage pour les domiciles ou pour les grandes industries qui vont migrer depuis le gaz ou le pétrole vers un chauffage électrique. Donc ça, c'est important de voir que cette demande va exploser sur les prochaines années. Et pour nous, donc, c'est naturellement une opportunité de business parce que notre portefeuille de produits, de solutions et de software aujourd'hui est dédié justement à accompagner nos partenaires sur le marché en termes d'efficacité énergétique. Donc, vu que la demande va augmenter, c'est important de maîtriser notre consommation d'énergie et d'être sûr qu'on ne va pas être justement sur un scénario à 60%, mais de tenter de le limiter. Ensuite, dans un deuxième temps, quand on regarde la production d'énergie justement pour satisfaire cette demande, donc là sur les deux petits charts, le premier c'est la partie renouvelable, donc qui est de 40% aujourd'hui, qui a bien augmenté sur les deux dernières années et qui sera de 80% d'après les ambitions en 2040. Donc là, on voit que la capacité installée en termes de besoin de production va doubler de 11 gigawatts à plus de 20 gigawatts. Et pourquoi elle augmente si fortement? Tout d'abord, c'est structurel, mais comme on passe sur des énergies renouvelables qui fonctionnent par intermittence, le facteur de charge n'est pas de 100% comme peuvent l'être une centrale nucléaire ou une centrale à gaz, mais que de 30-35%. Donc c'est pour ça qu'on doit multiplier les installations. Et ensuite, c'est pas tout parce qu'il y a un problème de flexibilité. Justement, on a besoin de travailler sur des batteries de stockage ou des points d'interconnexion. Et ça sera la présentation juste après la mienne d'Arte et d'Air Grid, justement pour améliorer les interconnexions avec les pays européens, par exemple. Et ici, les opportunités d'investissement pour Schneider sont multiples. On est capable d'aider justement nos partenaires à travailler sur de l'éolien en mer parce qu'il y a une ambition de grandir de quasiment zéro aujourd'hui à 4 gigawatts en 2030. En éolien terrestre, il y a aujourd'hui 4 gigawatts installés, mais il y a une ambition de multiplier par deux le parc dans les 10-15 prochaines années. Et enfin, sur les batteries de stockage, nous aujourd'hui, on essaie d'accompagner des partenaires en Angleterre, au UK et en Irlande pour développer justement cette connexion grid et cette capacité à gérer un réseau avec des batteries sur un réseau complètement décentralisé. Et en parallèle, le dernier point serait l'accélération de la digitalisation du grid. Et en fait, le Covid a été un accélérateur de toutes ces ambitions et de cette volonté de bouger dans notre transition énergétique, mais en fait avec une décentralisation, avec du renouvelable qui fonctionne par intermittence, c'est clé aujourd'hui d'avoir une vision du grid qui en fait bouge tout le temps et on doit être très réactif suivant ce qui se passe sur le marché. Donc ça, c'est à peu près la vision que Schneider Electric a de l'Irlande et on a grandi ces dernières années sur les data centers, sur les centres de données. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'énergie et la part du gâteau sera grande. Schneider Electric a une certaine taille dans le pays, mais on espère qu'on va aider les pays, enfin les autres sociétés, à nous accompagner et à participer à cette transformation. Et finalement, juste pour finir, c'est sur la partie, juste un case study, un exemple de ce que l'on fait, mais c'est sur la partie des centres de données. On a travaillé ces 10 dernières années avec Interxion, basé à Dublin, justement pour les aider sur leur parc de data center. Et ici, on les aide
en proposant des architectures modulaires, en proposant un besoin en énergie 100% renouvelable, en travaillant avec eux sur leur économie d'énergie, parce que le data center forcément utilise beaucoup d'énergie, en étant sûr qu'il n'y aura pas de problème d'opération, qu'il y ait une fiabilité justement sur l'utilisation de ces données, donc aucun problème d'interruption. Et finalement, un déploiement rapide parce que le nombre de data centers ont explosé ces dernières années. Il y a toujours un besoin d'aller très très vite en termes de déploiement. Et de plus en plus, une question de cybersécurité avec un haut niveau de sécurité requis pour ce type d'installation. Donc voilà ce que fait Schneider Electric aujourd'hui en Irlande. On a l'ambition de continuer à grandir et on pense que le marché va exploser avec les opportunités Brexit, mais également avec cette vision de transition énergétique poussée par le gouvernement. Et voilà pour ma présentation. Merci Alexandre, c'est très intéressant. Et juste pour vous pour dire, nous allons inviter tous les participants à poser des questions dans le bouton chat. S'il y a des questions pour les présentations, n'hésitez pas à mettre les questions. J'ai le plaisir maintenant d'introduire cette personne qui parle du projet interconnecteur CETIC, Michel Dergrid, qui fait la liaison avec la communauté et les communications qui sont essentielles pour mener à bien les projets à Airgrid. Michel assure ce rôle au sein de l'équipe du projet Celtic Interconnector, établissant et favorisant la compréhension mutuelle et les relations de bon voisinage avec les organisations professionnelles, les communautés locales, les élus et les autres parties prenantes du projet. C'est un plaisir, Michel, d'avoir vous avec nous. Et aussi, après Michel, il y a Thomas Pertuisset qui a rejoint le RTE en 2019 pour supervisionner le développement des interconnexions entre le réseau électrique français et les pays voisins. Et il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées à Paris. Occupé plusieurs postes dans l'administration de l'État français dans le secteur de l'énergie et les transports, avec un focus particulier sur les infrastructures et la régulation des services publics. Bienvenue à Michel et aussi à Thomas. Merci. Bon, ben, moi aussi, je vais monter l'écran. Donc, voilà, j'espère que maintenant ça c'est bien visible. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et juste pour. Je m'appelle Michel Walsh. Et comme Owen a dit, je suis la coordinatrice des communications chez Airgrid pour le projet le Celtic Interconnector. Donc, c'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de vous présenter au sujet du Celtic Interconnector en compagnie de mon collègue de projet, Thomas Pertuisset de RTE. Ce projet signifie une grande coopération dans le champ d'énergie entre la France et l'Irlande. À un moment quand nous devons faire face à un avenir rempli de défis autour d'enjeux entre le futur d'énergie et l'environnement. Et comme Alexandre a dit, nous sommes en milieu d'une transition énergétique et c'est au centre de cette transition qu'on se place les projets en tant que le Celtic Interconnector. Donc, en quelques mots, je vais juste vous présenter le projet un peu. Le projet de Celtic Interconnector, ça vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l'Irlande pour permettre l'échange d'électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, et Airgrid, la gestionnaire irlandaise. La liaison est d'une longueur totale de 575 km de courant continu et alternatif, avec la partie sous-marine liant la région de Cork à la Bretagne, étant environ de 500 km. En total, le projet a la capacité d'échange de 700 MW, soit l'équivalent de la consommation d'environ 450 000 foyers. Donc, ça, c'est juste une introduction, si vous voulez. Donc, pour nous rapprocher un peu plus des détails,
Comme nous avons dit, il y a 500 km de câbles sous-marins. Cette câble passera à l'ouest des îles Scilly, au large de la côte britannique. Le passage pour les câbles évite les zones les plus rocheuses, minimisant ainsi l'impact sur l'environnement et les usages maritimes. Le câble sera soit enfoui dans le sol, soit posé au fond de la mer et protégé dépendant des conditions au fond. Le câble sous-marin sera changé pour un câble souterrain dès que ça arrive au pays, à chaque pays. Et de là, ça continuera de chaque côté jusqu'à une station de conversion. Donc, la station de conversion, il y a deux stations de conversion, un qui doit être construit dans chaque pays. Et c'est là où le courant continue et se convertit au courant alternatif pour que ça puisse continuer de chaque côté et de rejoindre les réseaux propres irlandais et français. En tout, le projet a un budget de 930 milliards d'euros. Donc, ça c'est le projet et passons-nous aux grands bénéfices du projet. Déjà, les bénéfices du projet sont d'abord la facilitation de la transition énergétique européenne, mais particulièrement en France et en Irlande. Le projet, le Celtic Interconnector, c'est important pour soutenir le développement d'un mix électrique important pour un avenir énergétique sobre en carbone, particulièrement en Irlande et, soi-disant, aussi en France. Le projet, ça créa une connexion directe. C'est une connexion directe entre l'Irlande et la France qui permet à l'Irlande de bénéficier sans intermédiaire du marché intégré européen de l'électricité. Et aussi, il assure en même temps la sécurité et la sûreté d'approvisionnement qui est de plus en plus important. Et ça, c'est vraiment une grande raison pour le projet. Enfin, le projet, ça constitue une contribution importante à la politique énergétique de l'Union européenne. Il était reconnu projet d'intérêt commun par l'Union européenne en 2013 et ensuite ça a été renouvelé en 2017. Et c'est cofinancé par l'Union européenne depuis 2015. Donc, ça c'est un peu le projet et les bénéfices. Bien sûr, au centre de l'exécution, si vous voulez, du projet et la coopération. Donc, c'est un grand fait de coopération entre la France et l'Irlande dans ce champ. Et avec ça, je vais passer la parole à mon collègue Thomas, qui va continuer l'histoire, si vous voulez, sur le projet Celtic Interconnector. À Thomas. Merci Michel. Bonjour à tous. Comme indiqué par Ewin en introduction, je m'appelle Thomas Pertuiset, je suis directeur interconnexion RTE. Je m'occupe notamment de piloter le portefeuille de projets de nouvelles lignes entre la France et l'Europe, et donc en particulier le projet CETIC. Donc juste pour continuer, avant de présenter un peu les étapes en fait du projet, comme l'a dit Michel, c'est vraiment un projet qui est exemplaire en matière de coopération entre la France et l'Irlande, que ce soit bien évidemment entre gestionnaires de réseaux de transport, donc entre RTE et Avid, avec un slogan qu'on utilise autour du projet, qui est l'idée qu'on fonctionne en one team sur ce projet. Mais également au niveau, on va dire, plus politique et au niveau des gouvernements. Là, on vous a mis quelques photos qui illustrent cela. Donc à gauche, c'était lorsque le président de la République française et le Premier ministre irlandais ont signé un courrier de soutien au projet qui nous a été très utile après pour bénéficier d'une subvention européenne. Et puis donc à droite, c'était la signature du dossier de subvention qui a été signé par les deux PDG d'RTE et Avid en présence de François de Rugy, l'ancien ministre de la Transition écologique, et le ministre de l'Action pour le Climat et l'Environnement, Richard Button, qui est à gauche, et M. Simon Coveney, qui était le vice-premier ministre
irlandais à la date de signature. Voilà, donc ça, c'est quelques images, on va dire, qui sont de nature politique, mais qui sont vraiment représentatives hein, de cette coopération. Donc là, c'était la signature de l'accord de subvention. Donc, comme l'a indiqué Michel, c'est un projet qui est très soutenu par l'Union européenne. Et donc, j'en profite pour remercier de nouveau hein, l'aide et l'appui qui a bien voulu nous accorder la Commission européenne pour ce projet. Donc là, on a eu la chance hein, de pouvoir signer l'accord de subvention avec les deux présidents des entreprises, et M. Dirk Beckers, qui est le directeur général de l'Agence exécutive Innovation et Réseau de la Commission européenne, qui est le bras armé pour tout ce qui est mise en œuvre des subventions européennes. Et donc cette signature a été faite en présence, donc on peut le voir en fait, en fond de la directrice générale, de la commissaire européenne à l'énergie, présidente donc de la commissaire européenne à l'énergie et de la directrice générale des services de l'énergie, dite Julie Jorgensen, lors service de la Commission européenne. Donc ça, c'était en fin d'année 2019. Peut-être quelques mots plus en avant, Michel, si tu peux avancer les slides, s'il te plaît, sur le développement du projet. Donc, c'est un projet qui est en développement par RTE Grid depuis presque 10 ans maintenant. Hein, les premières études de faisabilité ont été réalisées en 2011 avec nos collègues d'Ergrid. Sans refaire toute l'histoire du projet, hein, juste mettre en avant que faire un projet d'interconnexion, ça demande quand même... ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est presque 10 ans d'études de faisabilité préalables, notamment pour pouvoir identifier les tracés et évaluer la faisabilité de ces tracés, notamment en mer, entre la France et l'Irlande. Actuellement, donc, on est en phase de ce qu'on appelle le detailed design and consent, c'est-à-dire qu'on est en train de réaliser des études détaillées, de préparer l'obtention des autorisations administratives nécessaire à la réalisation des travaux et d'acheter les matériels nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Donc, à la fois les câbles sous-marins et souterrains, comme l'a expliqué Michel, et également les stations de conversion, donc qui vont faire la conversion entre l'alternatif et le continu, qui vont être implantées de part et d'autre à proximité des réseaux existants. Et donc après, une fois qu'on aura signé les contrats de notation, on passera en phase de construction qui devrait démarrer en fin d'année prochaine. Et donc on prévoit une phase de construction d'environ 4 ans à compter de la signature des contrats. 4 ans, donc c'est assez long, hein. On a 550 km de câbles à poser. Il y aura encore des études un peu techniques détaillées à réaliser par les fournisseurs avant de pouvoir commencer les travaux. Et puis surtout, il faut prendre en compte le temps nécessaire à la production des câbles, puisque ce n'est pas des achats, des matériels qu'on trouve sur étagère. Donc, il y a un petit peu de temps pour que les fabricants de matériel puissent commencer à produire et avoir voilà, suffisamment de linéaires de câbles pour commencer les travaux de pose. Et donc, peut-être juste pour finir, Michel, slide suivant, s'il te plaît. Les prochaines étapes. Donc, l'objectif, hein, c'est d'avoir l'ensemble des autorisations nécessaires à la construction et des réalisations des travaux donc, d'ici mi-2022. Voilà, une petite année, une bonne année d'instruction par les autorités administratives compétentes, création d'enquête publique avant d'obtenir ces autorisations. En parallèle, donc, comme je disais, on a lancé des achats pour les matériels. L'objectif, c'est de pouvoir attribuer les contrats au deuxième semestre 2022, donc de pouvoir commencer les travaux de construction, comme je disais, fin 2022, avec comme objectif donc, un début d'opération commerciale d'ici fin 2026. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis on est à votre disposition avec Michel si vous avez des questions sur ce projet. Merci beaucoup. Merci Thomas et merci Michel aussi. Oui, on a quelques questions qui arrivent et on a un peu de temps pour les questions. Je crois que peut-être la première question que j'ai vue sur le chat, c'était bien sûr pour le brochure et le site en anglais, il faudra des traducteurs selon votre domaine, regardez les profils LinkedIn. Je crois que c'est un bon avis hein, de regarder qu'est-ce qu'il y a là et est-ce que c'est possible de le mettre
en anglais et en français, et même approche probablement pour tout le monde ici qui travaille déjà entre les deux pays. Hein. Mais j'ai une question que je pose peut-être à Alexandre. C'est la présence physique peut-elle bien fonctionner par l'intermédiaire de distributeurs? Je sais que Schneider Electric, ils ont plusieurs parties de compagnie Schneider Electric et vous utilisez, je crois, déjà les distributeurs en Irlande. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, et ben c'est exactement, ça a été une des premières stratégies, ça a été de grandir par soit acquisition, soit avec des partenariats forts. Et on a des distributeurs, on a des réseaux de petits partenaires justement qui nous aident à rayonner parce qu'au début, on n'avait pas la taille critique justement pour adresser tous les marchés. Donc, c'était important de créer des partenariats locaux pour avancer et toucher plus de monde. Donc, oui, c'est la première étape, on va dire. C'était important pour nous aussi de construire un business case et d'avoir déjà du business en place avant d'augmenter les équipes sur place. Donc, oui, forcément. Mais si je comprends bien, c'est aussi une bonne idée d'avoir une présence aussi dans le pays. C'est probablement pas si facile de travailler avec les distributeurs s'il n'y a pas un représentant de la société en Irlande déjà. Et ça va dépendre du marché, je dirais. Sur des marchés type résidentiel, on peut travailler avec des partenaires. Quand on touche à des end-users, des clients finaux de grande taille, type des centres de données, des centres pharma, il y a vraiment besoin d'avoir une présence en termes de service, en termes de vente, de marketing pour être proche du client et pour définir justement ses besoins. Alors qu'à distance ou avec un partenaire, il y a toujours des difficultés à communiquer. Donc, je dirais pour certains marchés plutôt standards, oui. Dès qu'on parle de marchés plus concrets, j'ai envie de dire, où on doit vraiment définir l'offre et les besoins du client, c'est important d'être proche du client. Ok, merci beaucoup, merci. Et peut-être je peux poser une question à Michel qui est arrivé. Est-ce que le Brexit a accéléré le programme de développement pour le projet du Celtic Interconnector? Qu'est-ce que vous pensez? Merci Owen. Je crois que comme Thomas a dit en train de donner de la présentation, le projet, ça s'était bien commencé avant que Brexit est arrivé sur le plan, si vous voulez. Donc, le projet, le Celtic Interconnector, ça s'est commencé en 2011 avec les études de faisabilité. Et après ça, nous avons vraiment commencé à travailler en tant qu'équipe entre la France et l'Irlande et avec les RTE vers le 2014. Donc, est-ce que Brexit a accéléré le programme? Je dirais que non. Mais est-ce que Brexit accentue les bénéfices du projet? Là, nous pouvons peut-être dire oui, car c'est vrai que maintenant, la France est le voisin européen le plus proche d'Irlande. Et le Celtic Interconnector apporte la solidarité électrique européenne pour nos deux pays. En tant que nous faisons partie d'une union européenne qui est fixée sur plus de solidarité énergétique. Donc voilà, j'espère que ça... Oui, merci. C'était clair? Oui. D'accord, merci. Okay, merci. Et une autre question qui est arrivée, peut-être je pose à Thomas, c'était bien, quelle est la durée de vie prévue des ouvrages construits? Vous avez une idée? Oui, alors la durée de vie qui comprend en fait en cible hein, des ouvrages, c'est de 40 ans pour les câbles, essentiellement pour les stations de conversion. Alors, les bâtiments, ils ont une durée de vie aussi qui est très longue. Par contre, les matériels électroniques qui sont à l'intérieur en fait, de ces stations qui permettent de faire la conversion, on est sur des objets qui ont une durée de vie qui est plutôt d'une vingtaine d'années. Hein. Et pareil pour tout ce qui est système informatique qui permet de piloter ces équipements. On est aussi sur des ouvrages sur des systèmes qu'il faut renouveler au bout d'une vingtaine d'années. Après, on prend comme objectif une durée de vie de 40 ans pour les câbles. Il faut savoir que sur nos réseaux internes, on a des câbles qui ont pratiquement 100 ans. Donc, alors, je ne sais pas si ça durera 100 ans, mais on espère en tout cas qu'on pourra les conserver au-delà de la durée de vie en tout cas industrielle qu'on a pris en cible. Oh, ok, merci. Et peut-être une autre question pour vous, Thomas. Quelqu'un a demandé quelle est la répartition des bénéfices de l'interconnexion entre la France et l'Irlande. Est-ce que c'est une win-win pour les deux pays?
Oui, c'est un projet qui est gagnant-gagnant pour les deux pays. C'est un projet qui est plus globalement bénéficié à l'ensemble de la collectivité européenne. C'est bien pour ça qu'on a obtenu une subvention européenne très conséquente pour aider le développement du projet, parce qu'une partie des bénéfices une partie des bénéfices vont se retrouver dans d'autres pays nettement au-delà des frontières de la France-Irlande. Mais bon, c'est quand même la France-Irlande qui sont les principaux bénéficiaires. Et les analyses on va dire socio-économiques qui ont été faites montrent qu'il y a un petit peu plus de bénéfices en Irlande qu'en France. Environ 2/3 des bénéfices seraient situés en Irlande et 1/3 en France. Essentiellement, en base, l'un des intérêts du projet Celtic, c'est de pouvoir remplacer de la production carbonée en Irlande à court terme par de la production décarbonée en France, qu'il s'agisse du nucléaire ou d'énergie renouvelable. Et donc ça va permettre d'une part d'améliorer le mix électrique, en tout cas le contenu carbone du mix électrique en Irlande, mais ça va aussi permettre de faire baisser le prix de l'électricité aux consommateurs irlandais. Alors, les bénéfices en France seront un peu plus faibles, c'est essentiellement permettre plus d'export d'électricité décarbonée vers la France. Après, il faut voir en fait que ces bénéfices, ça marche dans les deux sens, notamment lorsque la France pourra être dans une situation un peu tendue, on pourra importer de l'électricité depuis l'Irlande. On pourra aussi bénéficier d'éventuels surplus de production décarbonée en Irlande lorsqu'il y en aura. Il faut savoir que je crois que ça a été présenté, hein, que l'Irlande a une politique énergétique très, très dynamique, très ambitieuse en matière de développement de l'éolien en particulier. Et ça pourra bénéficier à la France lorsqu'il y aura des surplus. Merci, merci Thomas. Et peut-être juste poser une autre question à Michel. Est-ce que les technologies concernées sont nouveaux, hein? C'est quelqu'un qui m'a demandé si de cutting edge ou c'était bien déjà utilisé souvent. Hein. Bon, je crois que je vais commencer à dire que non, que les interconnexions sont de plus en plus une partie intégrale des réseaux intégrés européennes et mondiales. Et je vais peut-être inviter à Thomas de faire mention aussi sur ce sujet. Est-ce que les technologies sont nouveaux? Alors, non, on n'est pas on est sur des technologies qui sont relativement innovantes, puisque, comme vous l'avez indiqué, c'est un projet qui sera l'objectif. On aura une interconnexion qui sera en courant continu, alors que nos réseaux fonctionnent en courant alternatif. Par contre, des interconnexions en courant continu, il y en a des dizaines qui existent d'ores et déjà en Europe. RTE en opère déjà 3, bientôt 4. Après, ça reste des projets qui sont innovants, mais pas non plus complètement novateurs. Ce qui est notamment particulier sur ce projet, c'est qu'on va avoir quand même des très grandes longueurs. Comme on l'indiquait, on a plus de 500 km de liaison sous-marine. Ce n'est pas un record, mais on est quand même parmi les interconnexions qui seront les plus longues. Voilà. Ah, merci Thomas. Et juste une dernière question qui est arrivée, je peux poser peut-être à Alexandre. C'était bien juste quelqu'un qui demande les centres de données qui étaient déjà bien installés en Irlande. Est-ce qu'il est prévu qu'ils augmentent le nombre peut-être des centres de données en Irlande? Est-ce qu'il y a une opportunité encore? Non, ça va continuer, et je dirais qu'avec le Brexit va également accélérer cette partie, parce que les services financiers vont déplacer le centre de gravité potentiellement de l'Angleterre vers l'Irlande pour rayonner en Europe, et ça restera l'un des seuls pays anglophones de l'Europe, donc les investissements américains viendront également directement en Irlande. Donc oui, la croissance prévue sur les data centers est d'au moins 5% par an sur les 5-10 prochaines années. Donc c'est assez soutenu, et ça va se poursuivre. Donc il n'y a pas de ralentissement, il y a toujours plus de données, et on utilise de plus en plus de services digitaux. Donc forcément, et l'Union européenne essaie de stocker ces données en Europe. Donc l'Irlande est un des pays cibles justement pour ça. Merci, très bien. Peut-être que je n'ai pas encore de questions, mais peut-être juste avant de finir, je vais peut-être poser une question à tous les panélistes, Alexandre, et Michel et Thomas, parce que notre audience, ils pensent peut-être d'installer en Irlande, de faire le business avec Irlande. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avisez que c'est une bonne opportunité pour eux de venir et faire un peu de travail dans ce pays régional? Et Alexandre, peut-être, première.
Ben, en termes d'opportunités, oui, parce que nous, on a grandi sur les dernières années, donc c'est un des pays en croissance en Europe, donc c'est pas négligeable, donc c'est important de continuer à croître certains business. Donc nous, pour nous, ça a été clé. Et en termes de business, je dirais que c'est très direct, donc c'est intéressant aussi d'évoluer sur un marché comme l'Irlande. Merci. Et Michel, qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr. Disons que je crois que, par exemple, le projet Le Celtic Interconnecteur, c'est un projet très ambitieux. Et donc, ça, les gens peuvent voir les ambitions qu'on a en Irlande pour le secteur énergétique, pour un avenir d'énergie renouvelable et pour effectuer et contribuer aux changements importants dans la société qui vont bénéficier à tout le monde. Donc, je crois que l'Irlande a beaucoup de choses pour attirer les gens de venir et de les installer et de faire de bonnes business, comme disons. Thomas, je sais que tu es bien en France, mais l'idée de peut-être de faire le business entre France et l'Irlande. Oui, non, je pense que c'est une terre d'opportunité, très, très clairement. Alors, comme le disait Michel, le projet Celtic n'est pas en tant que tel un projet qui va contrer, qui est porteur de business en tant que tel, mais en tout cas qui va permettre de créer, je pense, un cadre, si ce n'est plus favorable, peut-être plus compétitif pour le développement du business. Comme je le disais, l'objectif du projet Celtic, c'est aussi de permettre une baisse du coût de l'électricité en Irlande. Ça, je pense que c'est intéressant pour tous les industriels, et notamment pour les data centers. Je pense que c'est quelque chose qui est pertinent pour eux. Au demeurant, l'objectif, c'est de favoriser la transition énergétique dans les deux pays, mais en particulier, et notamment en Irlande. Et donc, ça va permettre à des porteurs de projets, par exemple, de développement d'éolien, développement Je crois que... de parc production d'électricité renouvelable. Si jamais la taille du pays et la taille du marché irlandais était trop petite. Merci beaucoup, Thomas. Et ça reste peut-être pour moi juste à dire un grand merci à notre panéliste pour les explications sur le secteur énergie ce matin. Et merci beaucoup pour ça. Et je veux remercier aussi Léa Biagi, par la Chambre de commerce franco-irlandaise, qui a organisé cet événement, cet webinaire. Cet atelier pour nous. Et un grand merci aussi à la directrice de la Chambre de commerce franco-irlandaise, Cliona McGowan. Et elle va peut-être dire quelques mots avant de finir cette session. Mais merci à toutes les participantes d'être avec nous pour cet atelier ce matin. Oh, merci beaucoup comme moderateur pour cet événement aussi aujourd'hui. Et les speakers qui sont à Londres, ici en Irlande et en France. C'est un mix très bien et c'est une réflexion de la coopération entre l'Irlande et la France. Comme l'ambassadeur de France en Irlande dit, France is our nearest EU neighbor. Et il y a maintenant un bannier énorme sur le mur de l'ambassade de France à Dublin. Et nous sommes très, très ravis d'être avec tous les participants, et beaucoup de participants aujourd'hui. Et nous allons enregistrer cet événement et ça va être sur le website de la France Ireland Chamber of Commerce, très, très proche. Et aussi seulement pour dire que Léa Béagi, Léa, est-ce qu'on peut vous visualiser, s'il vous plaît? Elle arrive. Ah, bonjour. Bonjour Léa. Léa ici, elle est responsable pour les services de la Chambre. Et elle reste disponible aujourd'hui pour les rendez-vous. Si vous voulez avoir une B2B avec Léa, c'est... info@franceireland.ie. Et merci à tout le monde et merci aussi à l'équipe de CCIFI à Paris et surtout Sharafa et Anicia qui travaillent beaucoup derrière pour cet événement. Donc merci
bienvenue un jour en Irlande quand on peut voyager encore une fois. Merci et bonne journée.